Bonjour, mon nom est Gilles Garand. Depuis plus de 50 ans, j'ai travaillé à soutenir le développement culturel en valorisation du patrimoine vivant dans le secteur des musiques traditionnelles, folk et du monde. Pendant toutes ces années, j'ai mis de côté ma propre carrière pour privilégier le développement culturel collectif, notamment à travers Folk Québec dans le développement international. J'ai maintenant l'intention de devenir un porteur de tradition à mes 75 ans. Je suis maintenant prêt pour la transmission de mon patrimoine musical à l'accordéon, à l'harmonica et en chanson avec des artistes qui ont été des collaborateurs et des collaboratrices dans les dernières décennies. Mon album, Le parcours d'un passeur, témoigne du cheminement d'un artiste militant du patrimoine vivant, inspiré par nos porteurs et porteuses de tradition et qui m'ont légué leur héritage au fil du temps. Le répertoire de cet album
est un prolongement de tout ce que j'ai fait dans ma vie comme musicien. J'ai commencé ma quête sur les musiques traditionnelles en 1973, dans la foulée du premier festival de musique traditionnelle organisé au Jésus par le cinéaste André Gladue. Comprenant alors que cette musique venait de changer ma vie, j'ai donc commencé un travail de recherche et de collecte du répertoire des musiques traditionnelles au Québec, en Acadie et en Louisiane. À partir des années 73-75, j'ai eu le privilège d'avoir un groupe qui s'appelait Les Ruines Babines. Et on était comme le premier groupe de musique de Montréal à transmettre cet héritage des musiques traditionnelles. Par la suite, avec Patchwork, avec Lueur d'espoir, j'ai réussi à interpréter un répertoire absolument de composition du grand Philippe Bruno, maître de l'accordéon québécois, et qui m'a légué précieusement son héritage, ainsi que Marcel Messervier, ainsi que Louis Pitou-Boudreau, ainsi que Marie-Blanche Lavoie, ainsi qu'Antonio Bazinet. Donc, toutes ces personnes que j'ai rencontrées, Cyrus Dufour, toutes ces personnes que j'ai rencontrées m'ont légué leur héritage. Je l'ai enregistré, j'ai discuté avec eux, j'ai fait des enregistrements, des collectes. Et cet héritage qui m'a été légué, c'est celui que je veux transmettre maintenant aux nouvelles générations. Moi, j'ai eu le plaisir de recevoir et maintenant, je veux transmettre et donner.
Ce répertoire, donc, c'est une grande quête dans ma vie et qui témoigne de la vitalité de notre culture populaire traditionnelle, des personnes qui sont porteuses de ces savoirs hérités de génération en génération par l'oralité et par la création aussi. Alors donc, c'est ce que vous allez retrouver sur cet album, Le parcours d'un passeur. Je suis très fier de ce témoignage d'une vie de passionné de musique traditionnelle inspirée par les personnes porteuses. Moi et mon équipe sommes prêts à voyager et animer vos festivals en Amérique et en Europe. Nous faisons partie de cette revitalisation des patrimoines de l'humanité. À bientôt!